Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Quel plaisir de vous retrouver pour passer un petit moment ensemble en jouant à tout simplement le meilleur jeu du monde. Je pèse mes mots. Pour moi, en tout cas, c'est le cas. Pour notre petit mignon. Alors, il faut que je prenne, voilà, que je choisisse un peu mon mignon. Il n'y a pas de doc, je vais prendre le doc, j'imagine. Que personne ne va le prendre. Sinon, j'ai le doigt sur le sneaky, hein, au cas où. Je switch. Non, c'est bon. Alors. Nous sommes le doc, c'est très bien, nous allons être eh bien oui, un minions utile. Nous allons soigner, donner de la vision à nos amis. Alors que Demag teste un peu ses capacités à tirer le double morte. Il va falloir que je fasse une game avec le shooty hein, quand même pour vous montrer eh bien une fois ses mécaniques. C'est un minion aussi important. Qui peut être plaisant à jouer aussi, même s'il est assez difficile. Moi je trouve, hein, moi je trouve qu'il est assez difficile parce que. Eh bien, on n'a pas le droit de faire beaucoup d'erreurs avec le shooty, c'est un mignon hein, qui peut mourir rapidement. Alors là qu'on est venu, on est venu sauver un petit peu le petit. Alors je me fais attaquer. Pelter, si tu pouvais lui envoyer un missile. Là. Bon, ça va, il a reculé. Moi je joue avec les limites par contre. Hein. Si quelque chose me touche, eh bien je suis mort. Je fais reculer un peu quand même. Il faut que j'aille soigner. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi à soigner le mag, mais il va quand même se faire attaquer par Zlob. C'est bon, ils ont réussi à lui envoyer quelques missiles pour le dissuader. Alors que à droite, vous voyez. Talan, le Bash qui a fait une défense héroïque mais suicidaire, disons. Donc les deux équipes ont réussi à. Je vais aller vite soigner là au milieu. Voilà, vous voyez un peu la range hein, pour le soin. C'est une range, oui, une range, bien sûr. C'est une portée, voilà. C'est une portée qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on apprend à connaître en jouant, tout simplement. C'est important de bien la maîtriser hein, pour que on puisse bien se positionner. Beaucoup de choses dans ce jeu. Eh bien repose sur le positionnement. Donc en tant que doc, l'important c'est de se positionner pour donner du soin rapidement à tous ceux qui en ont besoin. Là on se fait attaquer un peu de tous les côtés. Je vais essayer de m'interposer. Ça va. Il a eu peur du mort, à juste raison hein, de notre shooty. Herbert qui est en mauvaise position là, c'est bon, il a pu mettre une glue, il devrait s'en sortir. Il l'a stun, je vais me mettre en position, vous voyez ici, hop, pour soigner et Demag et Herbert qui en avaient besoin. Malheureusement, il est quand même mort. Le sneak adverse a bien joué, c'est Apple hein, qui joue le sting pour l'équipe des bleus, qui était un très bon joueur. Zoro là, alors hop, un petit soin. Zoro qui attaque un petit peu, mais il a abandonné. Apple qui va faire, est-ce qu'il va faire un nouveau kill? C'est pas lui qui l'a tué, c'est le shooty qui a terminé le boulot, mais il a très très bien baissé les points de vie de notre shooty. Là, je vais attaquer un petit peu ce Spludge. Alors oui, pourquoi est-ce que je l'attaque? Bon là, pour défendre bien sûr, mais en général, hein, il essaye de toujours être en train, au maximum bien sûr, hein, de toujours être en train d'attaquer alors que notre shooty là va mourir. Je pense pas que je peux l'aider. Allez! Ah, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être si j'étais allé l'aider un tout petit peu plus tôt, vous voyez, ça s'est joué à rien. Ah, j'ai manqué un peu de foi en notre. Shooty Noob Def. Je suis désolé. Si j'avais intervenu un poil plus tôt, peut-être qu'il aurait pu survivre. Ça arrive, hein. Il faut rester concentré, on continue. La game se poursuit, elle ne vous attend pas. Alors attention, hop, là je mets. Vous voyez le heal vraiment au moment où les dégâts. Sont appliqués pour qu'ils puissent bénéficier au maximum du soin, même si ça n'a pas été suffisant ici. Hein. Les dégâts étaient trop importants. Là, il faut que j'aide Herbert, voilà. Il s'en sort. Apple doit reculer. Oui, alors il ne l'a pas fait, donc il est mort. Il aurait dû reculer. Hein. Oula, normalement je suis ok. Plutôt, voilà, notre shooty qui est en danger. Vite, vite, le soin. Allez, c'est bon. Il devrait s'en sortir normalement. Ouf, ça se joue à pas grand chose. Par contre, faut pas me. Voilà. Quand je vous parle du positionnement, vous avez vu, là, c'est un petit peu bloqué avec Herbert. C'est dommage, parce que sinon, eh bien, il aurait pu peut-être rejoindre l'ennemi assez rapidement. Là, je vais donner un peu du. Voilà. Allez, vite du soin. Allez, je vais pas mourir. Ouf, ça va. Vous voyez, le doc, c'est vraiment extrêmement fort. Hein. Ça peut vraiment changer la situation. Il faut qu'on se méfie. Oui, parce qu'il y a Zlob. Hein. Juste là, vous l'avez vu, il y a Zlob, juste là. Voilà. Allez, est-ce que j'arrive à soigner? Ah, j'arrive pas à le soigner. Avant, j'ai appuyé, hein, j'ai cliqué tout ce que je pouvais, mais le cooldown n'était pas encore terminé. Il faut qu'on recule là un petit peu, hein, parce que l'équipe ennemie n'est pas loin, tandis que nous avons plusieurs morts. Je vais donner un peu de vision ici sur la gauche à notre shooty.
bien lui faire comprendre que... Voilà, là on prend des risques parce qu'il y a leur sting qui va... Je vais pas le soigner hein, parce qu'il va mourir de toute manière, je garde mon soin. Bon là je soigne le bash, ça ne sert pas à grand chose. Alors faut se concentrer hein, parce que c'est une game qui peut eh bien, tourner un peu dans les deux sens. Une bonne clue là de la part de Zoz, Lobica qui suit. Mais ça va, je vais pouvoir soigner Talan, notre bash va pouvoir prendre ses points de vie. Allez, un peu de vision, voilà, avant de s'aventurer. Ici on va aller tuer les lolis, on voit Zlob hein, qui est par là, qui rôde, comme il le fait habituellement. Je vais aller tuer ce petit mignon là pour que les nôtres puissent avancer et nous aider dans notre effort de vision. Apple qui met toujours des bons dégâts et lui qu'on a pris 0, vous avez vu, c'est un bon timing, hein, bonne attaque. Ah, Zlob qui s'est fait avoir, il va mourir. Alors c'est ça le problème avec Dash, hein. Dash c'est un... Il faut que je me mette là au milieu, vous voyez, pour pouvoir soigner un maximum des membres de mon équipe. Alors attention, il faut que j'essaye de me mettre... Ça va, j'ai réussi à me mettre en opposition pour pas que notre Sting, eh bien oui, se fasse trop agresser. Là, il faut qu'il recule un peu parce que voilà, si c'est lui qui tanque tous les coups de tour, ça va mal se passer. Donc là, je tanque un petit peu, mais on va reculer, hein. Parce qu'ils ont... Ils ont une bonne capacité à faire des dégâts quand même, qu'il faut pas sous-estimer. Apple qui trouve toujours les bons positionnements. Hop, j'espère que je l'ai pas bloqué trop, ça va. Ah, j'ai pas réussi à soigner le bash. Ah là là, ma faute, hein. C'est my bad. J'ai soigné deux joueurs, mais pas le bash, qui en avait vraiment besoin. Faut que le sting s'enlève, faut pas qu'on se blague. Voilà, je passe devant, je tanque la tour. C'est bon, ça va, ça a été bien fait. Toujours moi qui tanque la tour, c'est très bien, parce que le doc a plus de points de vie hein, que la plupart des tanks. Hop, alors là il engage sur moi, c'est peut-être pas la meilleure idée, vu que comme je vous ai dit, c'est moi qui ai beaucoup de points de vie, même si là il m'a mis très bas. Alors notre shoot il va mourir. Nous on s'en sort, il faut qu'on tue le Spludge. Ah zut. Ah zut, on l'aura pas. Le Spludge, qui est donc ce gros tank rectangulaire, qui est eh bien un tank par définition, c'est vraiment le tank de ce jeu. Hein. C'est lui qui a le plus de... points de vie, qui a encore comme capacité spéciale de se soigner lui-même, et puis en plus un shield, donc un bouclier. Hein. Autant dire que ça prend du temps. Vous voyez là, je tire dessus, c'est comme si je faisais rien. Hein. Un petit missile, voilà, qui l'a descendu un petit peu. Il faut qu'on sorte, hein. On est seulement 3. Voilà, il y a Zlobica qui traîne, qui va ressortir, qui va attaquer le shoot, il part à droite. J'imagine, je me mets à droite. Non, c'est bon. Il est allé ailleurs. Il est là, hein, il était bien à droite. Je vais lui donner quelques coups pour lui dire, écoute, on t'a vu, hein. Voilà, des guerpies. Vite, vite, soignons le bash, c'est fait. Talan qui va un peu trop loin, hein. Là ça sert à rien, il nous manque le sting qui arrive, hein, qui est là, vous voyez. Qui est juste derrière nous. Là ça sert à rien de s'avancer, on va juste perdre beaucoup de points de vie. Voilà. Il fallait attendre le sting, hein, tout simplement. Ça servait à rien de... Attaquer sans lui, c'est un trop grand désavantage d'engage l'ennemi sans un sting. Alors de Magui, j'essaie de ne pas te bloquer, mais c'est compliqué. Hein. Bon, il est mort. Il va me blâmer, hein, c'est sûr, voilà. Alors que c'est aussi de sa faute, hein. C'est lui aussi qui s'est mal positionné. Je peux faire tout ce que je peux. Oui, je peux faire tout ce que je peux, oui, c'est une jolie phrase. Je fais ce que je peux hein, pour pas le bloquer, mais il faut aussi qu'il mette un peu du sien. Ça va dans les deux sens, les amis. Alors, là on doit reculer. C'est dommage, hein, vous voyez, on a perdu complètement l'avantage qu'on avait parce que notre équipe a décidé de trop s'avancer alors qu'on était en infériorité numérique, vu que nos... Bien oui, certains de nos amis n'avaient pas encore réapparu, et principalement notre Sting, qui l'a fait un petit peu de AFK. Il faut qu'on le tue, c'est bon, il y a le missile qui va le tuer. De Mac va aussi mourir, mais c'est pas grave, on a tué leur Sting, c'est très bien. Parce que le Sting... ici, hein, conduit par Herbert Hoover, par exemple, pour notre équipe. Le Sting, c'est vraiment... Là, je soigne parce que Talan s'est mis dans un combat 1 contre 3. Break, il faut l'arrêter. Très très bon stun, très très bon stun. On va le tuer parce que notre shoot, il vient de réapparaître. Très bien joué, Herbert. Bravo. Très bien vu. Voilà, c'est un jeu où... je sais pas pour vous à quoi ça ressemble à l'écran. Si vous n'avez pas l'habitude de ce jeu, ça doit être très confus. Mais c'est un jeu où il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ça vient naturellement, au début on a beaucoup de peine, hein, c'est normal, on comprend pas trop, mais pourquoi... Alors qu'il a fait un scène un peu bizarre là, je pense que c'était une erreur. Mais pourquoi je me fais tuer sans cesse, qu'est-ce qui se passe? Simplement c'est un jeu qui n'est pas facile à maîtriser. Hein.
Il faut en être conscient, il faut le savoir quand on commence à jouer à ce jeu. Alors que là, j'ai beaucoup de niveaux d'avance hein, sur les adversaires. En tant que doc, c'est pas le plus important. Ma team, vous voyez, malheureusement, n'a pas le même avantage de niveau que moi. C'est normal, hein, le doc est un. Alors, qui c'est qui l'attaque? Il attaque le shooty, on va essayer de bloquer, mais on n'arrivera pas. Attention à un Zlob hein, qui traîne toujours là à gauche. Voilà, on revient, je vais vers le milieu de nouveau. En tant que doc, la position est la meilleure, alors que deux mags avancent trop, je vais le soigner, mais il va mourir, hein, ça sert à rien. C'est lui qui a fait une erreur de positionnement à nouveau, hein, il peut blâmer qui veut notre bah, je vais y passer. Ah, c'est Zlob qui le bloquait. Très bien joué de Zlob, hein, qui l'a bloqué. Moi, je pensais qu'il. J'ai pas pensé que c'était Zlob. Donc, le dash ennemi qui le bloquait, en étant bien sûr invisible. Il s'est mis derrière lui, ce qui l'a empêché de revenir en arrière. Moi, je pensais qu'il était simplement un peu de AFK. Qui restait trop en avance. Alors là, je sais pas, je pense que nos shotis vont bientôt réapparaître. C'est la défense décisive, hein. Il faut pas mourir. Allez, j'espère qu'ils vont réapparaître très bientôt. Notre sting, il nous faut notre sting, il nous faut nos shotis. Allez, tout le monde s'engage dans la bataille. Allez, allez, allez. Bon, on n'aura pas réussi à résister à cette dernière attaque. C'était une petite game, malgré tout, fort sympathique, hein, avec quelques bons joueurs, dont Apple, hein, qui a très bien joué, mais d'autres aussi. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié, moi je vous remercie vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez regarder une prochaine vidéo qui sera encore plus palpitante, bien sûr, ça je vous le promets, ou en tout cas je ferai tout pour que ce soit le cas. Je parle beaucoup trop en fin de ces vidéos, il faut que ça s'arrête maintenant. Allez, merci encore, allez, ciao bye bye.